Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et lave-toi au réservoir de Siloé. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? C'est lui. Non, mais il lui ressemble. C'est moi. Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir des Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme ? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue ? Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé. Et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le jour du sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? C'est un prophète. Fais venir tes parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ? Nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne savons. Il a de l'âge, interrogez-le. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme Jésus est un pécheur. S'il est un pécheur ou non, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ?
Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est quand même étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Depuis le commencement, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Crois-tu au Fils de Dieu ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Oh. Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites « nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste.